Je suis jeune et je désire dès maintenant investir mon argent. Je suis étudiant et j'aimerais déjà faire un premier pas dans le monde de l'investissement et de la finance. Dans quoi investir un petit peu d'argent tous les mois étant donné que je suis jeune ? Ce genre de questions, j'en reçois tous les jours sur mes différents réseaux sociaux de la part de certaines personnes assez peu âgées, des jeunes de 17 à 25 ans, qui me demandent dans quoi investir quand on est jeune, avec peu de moyens, étant étudiant, etc. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo YouTube dans laquelle je vais justement vous montrer une espèce de stratégie, entre guillemets, même si elle est hyper simple, pour investir un petit peu d'argent tous les mois dans des secteurs qui sont relativement peu risqués. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir dans quoi investir en étant jeune. Avant de commencer la vidéo, énorme merci à ceux qui prennent le temps de lâcher leur like et leur commentaire en dessous de chaque vidéo, vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc encore une fois, merci infiniment. Si ce n'est pas le cas, pensez à le faire, ça prend vraiment 2 secondes et ce serait super sympa. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et je publie 2 vidéos sur ma chaîne YouTube chaque semaine, dont une vidéo d'analyse le dimanche à 18 h et une vidéo plus générale autour du trading, de la finance et de l'investissement, en général le mercredi ou le jeudi. Et on est bientôt 2000 abonnés sur la chaîne YouTube en quelques mois, donc gros merci à tous mes abonnés, vous êtes top. Donc déjà, je tiens à dire que c'est une excellente chose de se demander déjà dans quoi investir quand on est jeune. Parce que quand on va voir des entrepreneurs, des investisseurs assez âgés, donc de 40, 50, 60 ans, et qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils regrettent, en général, la réponse va être la même, ça va être de ne pas avoir commencé plus tôt. Donc si vous êtes sur cette vidéo et que vous souhaitez dès à présent, en étant jeune, commencer à investir un petit peu d'argent tous les mois pour, pourquoi pas, faire fructifier un portefeuille pendant plusieurs années, vous êtes sur la bonne voie, félicitations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu dans la peau d'un jeune investisseur qui décide de faire ses premiers pas dans l'investissement. Et c'est ce que je vous conseille, on va partir sur une base de 1000 euros. 1000 euros, je trouve que c'est quand même assez atteignable pour quelqu'un de jeune, que ce soit en travaillant l'été, les week-ends, que ce soit même sur plusieurs années, de 17 à 21 ans. Donc on va partir sur cette base de 1000 euros, plus un apport, on va dire, mensuel de 50 euros, voire un petit peu moins pour ceux qui, évidemment, ne peuvent pas se permettre d'investir 50 euros, qui peut être une assez grosse somme quand on est étudiant, tous les mois. Donc la stratégie dont je vais vous parler dans cette vidéo, elle est hyper simple. Elle va s'appuyer sur tout simplement les 2 plus gros secteurs de l'investissement. Autrement dit, en étant jeune et si on veut pas prendre trop de risques et investir un petit peu d'argent tous les mois, le mieux, ça va être quelque chose de peu risqué, d'accord, pour se faire la main et quelque chose d'assez simple. Donc, en fait, on va se concentrer tout simplement sur le secteur de l'immobilier et sur le secteur de la bourse. Attention, quand je dis immobilier, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous parler de faire des crédits à la banque, faire de la location vous-même, c'est-à-dire gérer des travaux de rénovation, gérer les locataires, etc. Même ne s'en déléguer à des agences immobilières, je ne vais pas du tout vous parler de ça. Donc, on va commencer par l'immobilier du coup. Imaginez pouvoir placer quelques centaines d'euros en immobilier sans avoir besoin de gérer, justement, comme je t'ai dit juste avant, des locataires, des travaux, des crédits bancaires, etc. Mais tout en ayant la possibilité de recevoir quand même des loyers. Vous me direz évidemment, qu'est-ce que c'est que ça? Prends mon argent, on y va tout de suite, du calme. Je vais vous parler des SCPI. Une SCPI, qu'est-ce que c'est? SCPI, ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier. Et comment ça fonctionne, ces fameuses SCPI? En fait, c'est très simple. Imaginez une entreprise, d'accord, qui fait de l'immobilier, donc qui achète des immeubles, les met à la location, qui achète des bureaux pour les mettre à la location, etc. Cette société va faire appel à des investisseurs, vous et moi. Vous et moi allons pouvoir investir quelques centaines d'euros dans cette société pour que cette même société agrandisse son parc immobilier, donc achète d'autres maisons, immeubles, bureaux, etc. pour les mettre aussi à la location, et en échange, la société va nous verser une partie des loyers perçus grâce à ces nouvelles acquisitions qu'elle a pu faire grâce à nos investissements. C'est à mon sens un moyen vraiment hyper simple de faire ses premiers pas dans l'investissement, notamment immobilier, puisqu'au final, vous ne vous occupez absolument pas de tout ce qui est tracas, comme je vous ai dit encore une fois, locataires, travaux, emprunts bancaires, etc. mais vous bénéficiez quand même de certains avantages de l'immobilier, c'est-à-dire vous avez un placement assez sûr et vous touchez des revenus assez récurrents. Donc si j'avais 1 000 € à investir avec un apport un petit peu mensuel, j'investirais déjà 500 €, la moitié, dans une SCPI. La rentabilité moyenne d'une SCPI, elle se situe en général entre, on va dire, 4% et peut-être 10% pour les meilleurs. Donc c'est quand même bien plus avantageux que de laisser son argent sur un livret A à 0,5% l'année, je trouve. Si vous voulez savoir vers quelle SCPI vous orienter, ne vous inquiétez pas. Dans la description, je vous mettrai plusieurs liens de sites où vous pourrez voir différentes SCPI, leur rentabilité moyenne, etc. Il n'y a aucun souci. Évidemment, je fais une petite pause pour vous dire que ce genre de placement, c'est évidemment à partir du moment où vous êtes majeur. Si vous êtes mineur, pas d'inquiétude, vous n'allez pas pouvoir quand même vous lancer dans ce genre d'investissement, SCPI, etc. Mais la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous constituer déjà un capital. Même si vous n'avez que 16-17 ans, n'hésitez pas à travailler les week-ends, les vacances, etc. pour faire grossir votre capital, votre apport de départ dans l'investissement, ce sera déjà excellent. Donc ça, c'était pour la partie immobilier. Donc comme je vous ai dit, avec 1 000 €, ce que je ferai, c'est que je prendrai 500 € et je les mettrai dans une SCPI. Ou alors vous pouvez très bien diviser ces 500 € en 2, 3, 4 avec plusieurs SCPI aussi, c'est un bon choix. Et maintenant, en ce qui concerne le domaine de la bourse, dans quoi est-ce qu'on pourrait investir? Eh bien, je vous le répète, en tant qu'étudiant, jeune investisseur, on n'a pas envie déjà de se prendre la tête tous les jours à regarder les marchés, etc. On veut quelque chose d'assez passif et assez sûr, et avec une rentabilité plutôt correcte. Donc pour cela, on va s'orienter vers des ETF. Un ETF, c'est quoi? Un ETF, c'est un actif financier, comme serait une action, des matières premières, etc. C'est un actif financier qui a pour objectif de répliquer à la hausse ou à la baisse l'évolution d'un indice ou d'un autre actif financier. C'est-à-dire qu'il existe des ETF qui vont répliquer exactement l'évolution du CAC 40, S&P 500, du DAX, etc. Donc en fait, c'est un petit peu comme si vous mettiez de l'argent, comme si vous investissiez un peu d'argent sur le CAC 40, le S&P, etc. Comment on investit maintenant sur ces fameux ETF? Eh bien, vous allez devoir ouvrir ce qu'on appelle un PEA, plan d'épargne en action. Pour ça, vous pouvez en ouvrir un chez votre banque physique ou bien sur une banque en ligne. C'est en gros un compte en banque destiné à l'investissement sur des actifs financiers. Vous allez bénéficier d'avantages fiscaux si vous ne touchez pas, si vous ne retirez aucun bénéfice de ce compte, il me semble, pendant 5 ans. Vous ne paierez que les cotisations sociales sur vos bénéfices. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, si vous êtes intéressé par les ETF, je vous mettrai en description des liens avec différents sites. C'est pas de l'affiliation, hein, c'est juste de l'information que je vous partage avec les meilleurs ETF, des sites pour faire des comparaisons, etc. Du coup, ce que je ferais si je voulais investir dans quelques ETF avec un petit peu de capital, eh bien sur les 500 € restants, je les diviserai en deux, donc 250 et 250, et j'investirai 250 € sur un ETF qui réplique le marché, on va dire, états-unien, c'est-à-dire sur un ETF qui réplique l'évolution du S&P 500. Donc un ETF qui réplique l'évolution du S&P 500, on a le Lyxor S&P 500, et ensuite j'investirai le reste de mes 500 €, donc les 250 € restants, sur un autre ETF qui réplique l'évolution de plusieurs indices du monde, notamment le Amundi MSCI World. Pourquoi est-ce que je n'investirai pas sur des indices français style CAC 40 ou même européens comme le DAX? Parce que selon moi, le marché états-unien est quand même plus solide que le marché français ou européen, tout simplement. Et évidemment, quand vous achetez, quand vous investissez dans un ETF qui réplique l'évolution de tous les indices à peu près du monde entier, là aussi vous prenez assez peu de risques. Avec les ETF, vous pouvez espérer obtenir une rentabilité annuelle qui se situera entre peut-être 7 et 12%, on va dire. Donc voilà, maintenant vous avez déjà les deux secteurs d'investissement que vous allez devoir privilégier, à mon sens, si vous voulez faire vos premiers pas dans l'investissement, donc que ce soit l'immobilier à travers les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, ou alors à travers des ETF qui répliquent l'évolution de plusieurs indices boursiers. Maintenant, avant de terminer la vidéo, on va faire une petite simulation pour voir combien vous pourrez avoir d'argent, à combien s'élèvera votre portefeuille après plusieurs années d'investissement de la sorte. Donc on est sur un site qui nous donne un calcul d'intérêt composé. Donc nous, on va partir sur une base, comme on l'a dit dans la vidéo, de 1 000 € d'apport ponctuel. Et on va dire que, étant donné qu'on est étudiant, assez jeune, on va faire des versements réguliers sur nos investissements de à peu près, on va dire, 25 € par mois, ce qui reste, je trouve, quand même assez raisonnable quand on veut investir un minimum d'argent. Notre taux d'intérêt annualisé sera d'à peu près 7%, hein, que ce soit avec les SCPI entre 4 et 10 et les ETF entre 7 et 12, donc on va prendre une moyenne de 7% par an. Et ensuite, notre durée d'investissement, on va la fixer à 10 ans. On va dire que vous commencez à 18 ans et que vous retirez vos gains à 28 ans. Donc dans la catégorie durée, on marque 10. Et nos intérêts composés sont calculés chaque année puisqu'on a une rentabilité annuelle de à peu près 7%. Donc on va calculer tout ça et on va s'apercevoir qu'au bout de 10 ans, notre portefeuille s'élèvera à 6 267 €. Alors je sais, ça peut paraître peu pour 10 ans d'investissement, mais je vous remets quand même dans le contexte, on n'investit que 1 000 € et que 25 € par mois, ce qui est quand même assez petit pour espérer avoir de gros résultats. De plus, sachez que les SCPI et les ETF sont quand même des choses assez peu risquées. Il y a toujours un risque, mais le risque est quand même limité avec ces deux actifs. Donc comme je le dis tout le temps, il y a un équilibre à tout. Vous voulez peu de risques, quelque chose d'assez peu compliqué, évidemment la rentabilité n'explose pas, d'accord? Vous êtes sur quelque chose d'assez normal en termes d'investissement. 7% c'est vraiment correct, il y a des investisseurs qui arrivent à atteindre les 10, 12, mais 7%, franchement, pour quelque chose de totalement passif, c'est pas dégueu. Mais ensuite, si vous voulez faire votre simulation, évidemment, changez les données que vous allez mettre. Imaginons que vous investissez peut-être 5 000 € d'un coup avec des apports mensuels de, je sais pas, 100 € sur la même durée avec la même rentabilité. On atterrit tout de suite sur du 27 000 € à la fin de nos 10 ans. Donc voilà, évidemment, les résultats changent en fonction des différents profils d'investisseurs. N'oubliez pas aussi que le but était de faire son premier pas dans l'investissement avec assez peu de risques, avec peu de moyens, parce qu'on s'est placé à la place d'un étudiant qui n'est pas forcément salarié, avec déjà un CDI et plusieurs milliers d'euros qui tombent chaque mois. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de vous abonner et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez. Vous préférez quoi? Les SCPI avec de l'immobilier ou plutôt des ETF en bourse? Dites-moi ça en commentaire. C'est tout pour moi. Je vous dis à dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!